Salut, salut, vous êtes sur After Start, votre rendez-vous football. D'ailleurs, l'occasion de rappeler que très bientôt, il y aura After Cannes. Votre émission spéciale sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ce sera ici en direct avec beaucoup d'invités, mais bon, on en parlera plus en détail plus tard. Aujourd'hui, deux thèmes. On commence tout de suite par le sommaire. D'abord, forcément, honneur aux dames, Coupe du Monde féminine oblige. On va se pencher un petit peu sur les chances des équipes africaines à la Coupe du Monde. On rappelle que le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont en lice. Aussi, on va essayer de voir pourquoi est-ce que ces équipes-là ont plus de difficultés à être sur la scène mondiale et qu'est-ce qui fait que sur le continent, elles sont encore un petit peu freinées? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à avancer? Est-ce que les politiques locales sont mises en place pour les aider? Ensuite, direction le Brésil, ou aussi ceux qui veulent peut-être du côté de la Tour Eiffel avec notre ami Neymar. Neymar, vous l'avez vu, beaucoup de blessures. Neymar aussi impliqué dans une affaire de scandale sexuel, coupable ou alors victime de chantage. On va revenir un petit peu dessus et surtout sur ces 222 millions, c'est le montant de son transfert du Barça à Paris. Est-ce qu'il les a amortis pour l'instant? Pas forcément sûr. Ça, c'est le programme. Aujourd'hui, une invitée de choix, Myriam Ben Lazar, internationale algérienne. Bonjour Myriam. Bonjour, merci à Stade Afrique pour l'invitation. En plus, voilà, aujourd'hui vous êtes avec nous. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire, beaucoup de témoignages, notamment nous parler vraiment des conditions des joueuses et des footballeuses africaines. Et notre ami Richard Na d'AfricaFoot.fr. Bonjour Richard. Bonjour Mansour, je suis très content d'être là. Et sincèrement, comme on parle de football féminin, je voudrais commencer par rendre hommage à Allez. une ancienne internationale camerounaise qui s'appelle Ghislaine Bebone. Elle est morte de suite d'une opération. Et vraiment, c'était une belle chroniqueuse sportive. Et vraiment, elle était aussi le soutien de certaines joueuses qui vont jouer ce soir d'ailleurs La Coupe du Monde. et la Coupe du Monde contre le Canada. Et vraiment, je voulais lui rendre hommage et en lui disant que la terre de nos ancêtres du soleil. Et en tout cas, d'ailleurs, c'est quand on va lui dédier cette émission, une petite pensée pour elle. On va rentrer dans le vif du sujet. La Coupe du Monde a commencé, ça se passe en France. Trois représentants africains. L'Afrique du Sud a fait son entrée en lice contre l'Espagne, défaite 3 buts à 1. Ensuite, il y avait aussi le Nigeria contre Comme la Norvège. La Norvège, Norvège. défaite 3 buts à 0. Exactement. Deux matchs, 6 buts encaissés, un but marqué. On ne peut pas dire que ça part sur de bonnes bases. Ouais, c'est vrai que elles n'ont pas forcément bien commencé la compétition. Après, il reste des matchs encore. Maintenant, c'est vrai que le football en Europe et le football en Afrique est très différent Ouais. et on peut le voir aujourd'hui en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'elles ont encore leur chance et j'espère qu'elles pourront défendre les pays en Afrique en général. Richard, ce sont des adversaires qui étaient trop forts ou c'est les équipes africaines qui sont encore trop faibles pour l'instant? Quand on prend juste sur ces deux premiers matchs. Non, mais je pense que c'est des adversaires qui étaient prenables Oui. par rapport à au quand je veux dire ça, par rapport à la notoriété des joueuses. Parce qu'il faut quand même dire que le Nigeria, elles ont sur la liste des 23, elles ont quand même 15 ou 17 joueuses qui étaient déjà présentes en 2015. Donc c'est pas une excuse. Aujourd'hui, cette équipe de Norvégiennes était moins expérimentée, mais plus rapide. Il faut dire qu'elles ont pris, les Nigériennes ont pris beaucoup pris de l'âge. Et vraiment, dans le football aujourd'hui, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, les jeunes courent plus vite. Et C'est pas qu'une question de vitesse, le football, certes, ça joue. c'est une question de. Oui, à ce niveau. Parce qu'il faut se dire une chose, la différence technique, elle est très infime. Contrairement, les Nigériennes, ce sont de bonnes joueuses de foot. Maintenant, l'expérience, tu peux avoir de l'expérience et tu n'as plus la même vitesse, c'est pas pareil. Et moi aussi aujourd'hui, j'ai aussi peur pour les Camerounaises parce que justement, les Camerounaises vont rencontrer les Canadiennes qui sont quand même cinquième sur le plan Au mondial, classement FIFA. classement FIFA. Et je pense que c'est pas une mince affaire. Donc voilà là où va se jouer, c'est jouer déjà la différence avec les deux. Et pour l'Afrique du Sud, je pense que c'est une question de malchance parce qu'elles ont mené et elles se sont fait rattraper. Donc Exactement. je pense qu'aujourd'hui, dans le football féminin, il n'y a pas trop de différence. Il y a vraiment la différence n'est pas très 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 large, mis à part le fait que quand vous avez l'équipe comme l'équipe de France, l'équipe des États-Unis, l'Angleterre, Qui sont qui sont vraiment vraiment au-dessus. des cadors. Mais et il faut dire, aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun rencontre les Canadiennes qui, pour la plupart, jouent en WMLS. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment du top Du niveau. très niveau. D'ailleurs, on va revenir sur les championnats européens et locaux plus tard, mais d'abord, on va regarder ce sujet d'Azania Yaoui pour voir un petit peu où on est du football africain par rapport
au football mondial féminin. Que vaut le football féminin africain comparé au reste du monde? Pour avoir une première idée sur la question, il suffit d'observer le classement FIFA des sélections établi à la veille du mondial féminin qui a débuté ce vendredi. Et le constat est alors sans appel, puisque seulement 11 nations africaines figurent parmi les 100 pays les mieux classés, dont uniquement 3 apparaissent dans le top 50 de ce classement. Autre chiffre fort, les Super Falcons du Nigeria, équipe reine du continent avec 11 CAN remportés sur les 13 organisés, occupent actuellement le plus haut rang d'une équipe africaine, avec une petite 38e place. Présente en France et placée dans le groupe A, en compagnie des hôtes du tournoi et favorite pour la victoire finale, ainsi que de la Norvège et de la Corée du Sud, respectivement 12 et 14e au dernier classement FIFA, les Nigérianes vont tenter de s'extirper de leur poule et rallier la phase à élimination directe. Une performance qui, à la vue de ce groupe, relèverait plutôt de l'exploit, surtout lorsque l'on sait que seuls les Super Falcons et les Lions Indomptables du Cameroun y sont parvenus en 1999 et en 2011. Deuxième équipe africaine de ce classement FIFA avec sa 46e place, le Cameroun est l'une des autres sélections qui portera les couleurs de l'Afrique durant ce mondial. Troisième de la dernière CAN, les Lions Indomptables ont l'habitude d'occuper les premiers rôles du football féminin continental aux côtés des Sud-Africaines et du Ghana. Seul problème, malgré leur statut de grande équipe africaine, les coéquipières de Gabriel Ongéné auront du mal à sortir de la poule E, où elles affronteront le Canada et les Pays-Bas, 5e et 8e meilleures nations du monde, ainsi que la Nouvelle-Zélande, quant à elle 19e. Habituée du haut du classement au niveau de l'Afrique, la sélection du Ghana est quant à elle absente de la compétition, où elle n'a jamais réellement brillé, comme en témoignent les déroutes vécues par les Black Queens 7-0 face à la Chine en 1999 et 7-2 en 2007 contre les Norvégiennes. Enfin, dernier chiffre qui témoigne de l'écart de niveau entre le football féminin africain et celui des autres continents. Les sélections africaines n'ont réussi à décrocher que 5 victoires au cours des 39 matchs qu'elles ont disputés depuis la création du tournoi. Un chiffre qui en dit long sur le travail qu'il reste à accomplir aux actrices du ballon rond en Afrique. Alors Myriam, je me tourne vers vous, on a vu ce sujet. Juste rappel quand même, donc au classement FIFA des nations féminines, Nigeria, première nation africaine, 38e, Cameroun, 46e, Afrique du Sud, 49e, Ghana, 51e, et les autres sont au-delà de la 60e place. J'ai pas cherché l'Algérie, c'était beaucoup trop bas, je suis désolé. Hein. Mais qu'est-ce qui traduit cet écart de niveau qu'on peut ressentir? Mais je pense que déjà ça se passe en Afrique. C'est très très compliqué au niveau de faire déjà un championnat. Ouais. On peut voir que dans pas mal de pays, il manque réellement de championnat où il y a quand même quelque chose qui peut apporter. Mais là, le problème, c'est qu'on le voit dans quelques pays et le reste, c'est très très compliqué. Je pense qu'il y a le manque aussi de moyens dans certains clubs. Il y a aussi le manque comment dire, je pense que les fédérations, certaines fédérations ne mettent pas forcément les moyens ou n'exposent pas assez leur sélection féminine, alors que je pense que maintenant, de nos jours, le football féminin a nettement progressé, s'est médiatisé. Donc il faudrait aussi qu'au niveau de l'Afrique, ça soit ça. Justement, Richard, on va rentrer dans ce côté institutionnel un petit peu. Il y a les fédérations, il y a la Confédération africaine de football, mais d'abord les fédérations. C'est vrai que quand on regarde la carte de l'Afrique, c'est vaste. Combien de pays ont des championnats locaux dédiés aux femmes? Il y en a très peu. Non, mais je pense que quand tu dis il y en a très peu, tu es très gentil. Il n'y en a aucun. Au niveau professionnel, en tout cas, dans structuré. Non, déjà, le professionnalisme au niveau masculin est difficile. Ouais. Combien de fois le professionnalisme au niveau féminin? Je prends l'exemple du pays que je connais le mieux, le Cameroun. Il n'y a pas de championnat féminin. Mais on est qualifié à la Coupe du Monde. C'est vraiment de la chance. C'est au bonheur la chance que le Cameroun se retrouve là. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, il n'y a rien. La plupart des joueuses de l'équipe nationale, qui forment l'équipe nationale aujourd'hui, sont essentiellement à l'étranger. Et sur 23, il y a 10. Le reste, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la formation de la condition féminine, qui a une équipe qui s'appelle Louvre Minprof. Et ce sont d'abord des fonctionnaires, ces filles. Elles profitent du fait d'être fonctionnaires, on leur donne un salaire, et du coup, elles jouent pour l'équipe. Et de temps en temps, on organise des petits tournois pour qu'elles puissent se mettre en jambes. Et la gardienne, elle, c'est une fonctionnaire. Elle joue pour l'équipe, mais elle n'a jamais joué en Europe. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle là d'une équipe qui va disputer la Coupe de France avec un serrurier, un chauffeur, un DJ. Mais c'est... En fait, comment est-ce qu'on veut rivaliser avec le haut niveau en étant
dans des conditions Mais il comme faut que celle-là? ça soit professionnel déjà. Le problème, c'est que ça l'est pas en Afrique. Donc forcément, c'est très compliqué. Moi, je vais parler de l'Algérie. Allez. Je sais très bien qu'au niveau de l'Algérie, le championnat, c'est compliqué. Il y a trois équipes qui vraiment ont les moyens et qui peuvent rivaliser. Mais après, le reste, ça manque de moyens, d'infrastructures surtout. Ouais. C'est ça, c'est. Il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de centre de formation. Elles n'ont pas forcément connu l'école de foot, comme nous, on a pu connaître celles qui viennent de l'étranger. Donc c'est très compliqué après de former une équipe. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes entre celles qui viennent de l'étranger, celles qui Même en viennent, les interne, ça veut dire qu'il y locaux. a vraiment un niveau disparate Ah entre les deux. oui, sincèrement, il y a vraiment un écart énorme entre celles qui viennent de l'étranger et les locaux. Et ça, il faut que vraiment que ça devienne professionnel en Afrique. Mais Mansour, je te coupe pas la Oui, parole, mais mais il n'y je a veux pas de dire souci. qu'aujourd'hui, le football féminin, les dirigeants du foot, aujourd'hui, le football féminin est un peu comme un gadget politique. C'est-à-dire qu'on parle de la femme quand on veut leur faire plaisir, on les flatte comme on a l'habitude de les flatter dans la vie quotidienne. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même la FIFA néglige le football féminin. Il y a très récemment, il y a 3 ou 4 jours, avant le début de la Coupe du Monde, ils ont fait un colloque. Ils ont élaboré tous les problèmes du Exact, football mondial. Et même à ce niveau, même les sponsors ne croient pas au football féminin. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est aujourd'hui, si au niveau mondial, le football féminin est à ce niveau, moi je pense que au niveau fédéral, ce sera encore très Mais compliqué. ça, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on est encore dans une société qui est très très masculine? C'est-à-dire que, Oui. par exemple, moi, je me suis amusé à regarder le nombre de présidents de fédérations africaines. Combien est-ce qu'il y a de femmes? Moi, j'en ai repéré une. Hein. C'est Sierra Leone, Si elle est Aisha en... Johansson. Ouais. Tous les autres, c'est que des hommes. Est-ce que déjà à partir de là, la vision n'est pas un petit peu biaisée? C'est-à-dire qu'on va privilégier les hommes constamment? Oui, ça peut être possible. Ça peut être un fait qui fait qu'aujourd'hui, ben, le football féminin, c'est pas forcément. Pas forcément connu, du moins en Afrique. Donc ça devrait être normalement à la CAF, il devrait avoir quand même des représentants féminins pour qu'il y ait notre vision du football, pas que masculin, mais Oui. aussi féminin. Mais Myriam, tu parles comme ça, tu parles de la CAF, mais il y a eu un symposium du football féminin. C'est vrai. Et jusqu'aujourd'hui, il y a jamais eu de résolutions qui sont sorties. Moi, j'ai fait un article dessus. J'avais écrit où sont passées les résolutions du football féminin. Et je pense que peut-être que la CAF a peut-être répondu parce qu'aujourd'hui à ça, parce que la CAF finance désormais les pays qualifiés. Oui. Pour le... je pense que c'est une des résolutions, mais je pense que c'est insuffisant. Ce n'est pas, il faut pas que financer, il faut pas venir prendre à la fin il faut vraiment venir prendre le football féminin à la fin. À la base, qu'est-ce qui est fait? Dans les fédérations, on se dit, il y a des femmes qui sont chargées de la gestion du football féminin, mais qu'est-ce que ces femmes-là font? Elles ne font rien du tout. Il y a pas de, on leur donne des moyens, mais qu'est-ce qu'elles font de ces moyens? Bon, je prends un exemple. Je suis allé en Mauritanie, j'ai vu Oumou Kan, une dame, vraiment, elle se bat au bout, elle se bat comme tout. Vous savez quelles sont les barrières, Ouais. que les barrières religieuses qu'a la Mauritanie. Mais c'est une fille qui, on comprend que oui, déjà elle est une femme, donc elle se bat pour la cause des femmes, mais ça n'avance pas plus que ça. Même la Mauritanie qui est vraiment le pays phare au niveau de l'Afrique, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles sont en train de former une équipe nationale et elles sont parties avec des jeunes. Et ces jeunes, pour qu'elles arrivent à maturité, il faut peut-être 3-4 ans. Là, je pense qu'elles sont déjà à la quatrième Oui, il leur année. faut aussi des compétitions. Oui, il faut des Oui. compétitions. Il faut des compétitions. Mais je vous dis, je prends l'exemple qui est le plus honorable en Afrique. Parce que en Mauritanie, elles se battent pour vraiment déjà briser les barrières. Oui. Parce que les parents aujourd'hui, les parents, hommes, refusent que leur fille aille jouer au foot. Ils se disent, non, ça c'est un sport pour les hommes, c'est pas un sport pour les femmes. Et rien qu'avec le petit contingent de filles qu'elles ont, elles se battent pour que les choses avancent. Mais même jusque-là, parce que moi je prends la Mauritanie parce que le président est vraiment quelqu'un qui fait la promotion du football C'est vrai. de tous les gens. Mais après cet exemple-là, c'est un exemple qu'on pourrait retranscrire dans plein de pays. Il y a encore beaucoup de préjugés, d'idées reçues qui ont la vie dure.
Exactement, mais c'est de ça que je parle. Moi, je parle d'un pays où on fait vraiment la promotion du football féminin. Vous voyez que même à ce niveau, c'est vraiment très compliqué avec des barrières religieuses. Et vraiment, le football féminin, faut, au niveau mondial, est négligé. Au niveau africain, c'est grave, c'est très grave. Et si vous regardez, regardez à la CAF, il n'y a pas une commission. Il n'y a même pas une commission qui est là pour gérer le football. Parce que même à la FIFA, il y a une pôle qui est carrément dédiée au football féminin. Mais à la CAF, vous en avez entendu parler? On n'en a pas. Non, du Voilà. tout. Mais la CAF, déjà, Alors que se pourtant, contente c'est de... le rôle de la CAF. Oui, mais oui, c'est le rôle de la CAF de faire la promotion du football féminin. Regardez, par exemple, il y a que les petites compétitions dans les régionales où on essaye l'UFOA-A, l'UFOA-B qui essaye de faire le football féminin. Mais au niveau africain, quelles sont les compétitions? Il n'y a que la CAN, non? Il n'y a que À la part CAN. la CAN et les Jeux africains les Jeux également. africains, ouais. Voilà. Mais les Jeux africains, enfin, on les voit pas. On C'est voit pas rien. diffusé. C'est pas diffusé. On voit rien. Y a... Voilà. Donc C'est c'est pour dire que pas. voilà, on a un exemple palpable. On a une confédération africaine qui Alors, est là. comment est-ce qu'on veut que les sélections africaines soient compétitives si il n'y a pas de compétition interclub majeure? On n'a pas de Ligue des Champions comme chez les hommes. On n'a pas de Coupe de la CAF comme chez les hommes. À Mansour, il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de championnat et on demande à des sélections d'aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. C'est aberrant. Non, c'est très très compliqué de représenter son pays dans des grandes compétitions telles que la Coupe du Faut Monde. Aimer son pays quand Quand... même pour aller jouer là. Oui, exactement. Heureusement qu'elles sont payées. Ouais. Enfin, Oui. mais c'est très très compliqué. Mais moi, j'ai par exemple vu l'équipe nationale d'Algérie pendant la Coupe du Monde, la Coupe La d'Afrique Coupe au Ghana. d'Afrique, ouais. Moi, je pense que le fait même déjà de savoir qu'il y a une équipe algérienne qui fait une compétition, je pense que la fédération algérienne devrait. Moi, j'ai parlé de ça à votre président la dernière fois ici au Congrès. Je lui ai dit, président, aujourd'hui, la Coupe du Monde va se C'est le passer. J'ai vu vos porte-parole. filles. J'ai vu vos filles. Et vraiment, je pense qu'il faut garder ce groupe-là pour qu'elles avancent. Et que Exactement. petit à petit, qu'elles soient l'exemple. Et que vous preniez parmi elles un porte-étendard qui va peut-être faire la promotion du football. Aujourd'hui, la FIFA cherche des femmes qui puissent faire la promotion. Voilà, C'est ce qu'il faut. ce n'est que par là qu'on peut passer pour faire la promotion, que les parents ne soient plus hésitants à envoyer leurs enfants. Parce qu'il Exactement. faut, quoi qu'on dise, si aujourd'hui tu es à l'équipe nationale, c'est que quelque part tu as la volonté de tes parents qui se sont dit, bon voilà, notre fille, elle est là, elle a envie de jouer au foot, il vaut mieux qu'on l'accompagne. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui du football féminin, l'accompagnement des parents. Si les parents ne Exactement. sont pas d'accord, ils ne laisseront pas leurs enfants aller jouer au foot. Parce que vous savez très bien que les femmes, les filles, c'est très sensible. On Oui. sait très bien que et aujourd'hui, les éducateurs rechignent à vouloir se mettre dans ce couloir parce qu'ils se disent, oh, non, 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 je veux pas venir perdre mon temps à avoir deux ou trois joueuses parce Est-ce que vous avez eu ce genre de barrière-là, Myriam, vous, quand vous avez commencé le football? C'était quoi les difficultés rencontrées? J'ai pas forcément eu de difficultés Ouais. à faire du football parce que voilà, je viens d'une famille où il y a 5 garçons et je suis la seule fille. Donc forcément, j'ai vite été baignée dans le football Ouais. et mes parents m'ont soutenue, mes frères aussi. Donc forcément, c'est pas compliqué. Mais par contre, une fille qui... Prenez par exemple, allez, je sais pas, des coéquipières de sélection qui, elles, sont en Algérie, Mais les c'est plus locaux, je compliqué pourrais de les parler connaître. des locaux Exactement, là, c'est qui, ça. ben, c'est très compliqué pour elles parce que voilà, se disent leurs parents, elle va aller à droite, à gauche, Voilà. elle va aller Elle va dans... aller porter un short pour Voilà, avoir ses exactement, cuisses. Oui, même c'est ça, ça. il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Moi, j'ai pu le voir et on a pu le voir celles qui viennent de l'étranger. Enfin, On vous regarde comme des extraterrestres un peu? c'est ça, parce que voilà, nous, on aime bien le short Oui. en haut, En haut, voilà. on aime bien avoir le maillot cintré. Enfin, on est Exactement. des C'est plus filles, pratique pour entre eux guillemets, on aussi. est des filles, quoi. Oui. On veut rester féminine. Et le problème, c'est que là-bas, ben, voilà, il faut avoir le short au genou, faut avoir quelque chose en bas parce qu'on ne veut pas voir la Le brassière. buste. Et c'est pas possible. Ouais. On peut pas avoir des préjugés Comme comme quoi, il ça. y a encore peut-être, je pense, beaucoup d'idées reçues et de choses qu'il faut casser. On va en parler dans la deuxième partie, c'est dans quelques instants, après cette petite page de pub. All right.
After Stade, deuxième partie, toujours accompagnée de Myriam Benlazar, internationale tunisienne, et Richard Algérienne. Nard. Algérienne. Algérienne. Je dis quoi, tunisienne? Tunisienne. Ouh là là, erreur. Algérienne, ouh là là, j'ai pas de problème. Hein. Et Richard Nard, d'AfricaFoot.fr. On voyait un petit peu qu'il y avait beaucoup de choses encore à faire au niveau africain, notamment au niveau des fédérations et de la Confédération africaine de football pour le football féminin. Je vous propose de regarder ce petit sujet de Sinta Nzetia. C'était en Guinée et vous avez vu que les joueuses, en fait, elles ont eu des promesses qui n'ont pas été tenues. À la fin, elles n'étaient pas contentes. Elles se sont manifestées devant le président de la fédération. Ça vaut le détour, regardez. De colère des footballeuses et des entraîneurs engagés à jouer enfin dans un championnat. Longtemps livrées à elles-mêmes après de nombreuses promesses sans lendemain, ces filles passionnées de football, accompagnées par leur encadreur, brisent le silence. Ces manifestants prennent d'assaut la tribune officielle du stade du 28 septembre et viennent poser leurs problèmes au président de la Fédération guinéenne de football. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le football féminin, au championnat guinéen. On est venu poser nos problèmes au monsieur le président. Il nous a beaucoup promis. Il nous a beaucoup promis. Ça ne s'est pas réalisé. Normalement, aujourd'hui, à Irokogia, notre match devait commencer aujourd'hui, championnat guinéen féminin. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas débuté. Pourquoi? On veut la réponse, c'est tout. Il faut qu'il nous donne l'occasion aussi de prouver notre talent. Vous savez, nous sommes des filles. Nous avons l'ambition et l'engouement aussi d'évoluer dans le football. Voilà, les garçons, à chaque fois, ils ont un championnat intégré. Pourquoi pas nous les filles? On prend exemple sur les handballeuses, les basketteuses. Ils ont eu droit à leur championnat. Et ils sont même allés ailleurs pour aller jouer. Pourquoi pas nous? En réponse, le président de la Fédération guinéenne de football, sensible aux doléances posées par les filles et leurs coachs, promet d'organiser le championnat féminin pour la première fois dans l'histoire du pays dès la semaine prochaine. On va organiser le championnat. Je suis votre parrain. Alors que le championnat guinéen masculin a été créé il y a 53 ans, celui des femmes tarde toujours à voir le jour. Voilà pourquoi ces filles ne comptent pas baisser les bras jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Myriam, je vais me tourner vers vous parce que pendant cet extrait, vous avez dit deux choses. Une, c'est toujours comme ça en Afrique, beaucoup de promesses. Donc on sent que vous aussi, on nous a promis des choses en Algérie qui n'ont pas été tenues. Et de deux, c'est pas mal africain, c'est aussi la même chose en Europe, c'est bien ça? Exactement, c'est vrai que on a pu le voir il n'y a pas longtemps. J'ai pu voir que aussi en Europe, ça se passe, qu'il y avait pas mal aussi de pays européens qui ont aussi voulu qu'on mette les moyens, et forcément, ils n'avaient pas les moyens qui ont été mis en place, et beaucoup de promesses également aussi, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui ne sont pas forcément tenues. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué parce que bon, le football féminin, on aime bien donner des promesses, oui, sans forcément les faire. Donc c'est pour ça que maintenant les filles font une sorte de révolution entre guillemets pour qu'aussi elles aient leur dû entre guillemets comme les garçons, comme les garçons, que ce soit pareil. Ouais. Est-ce que du coup, en fait, c'est pas un petit peu juste de la politique, c'est-à-dire qu'on fait des promesses politiciennes que ces présidents de fédération savent qu'ils ne tiendront pas? On a vu dans ces reportages, elles disent, ça fait 5 mois qu'on attend le lancement du championnat. C'est-à-dire que quelque part, ils savaient qu'ils n'allaient pas le lancer. Mansour, comment je suis teacher, je regardais très, j'ai écouté très attentivement ce que les filles disaient. C'est un peu pitoyable. Ça fait pitié parce que regardez jusqu'où on amène les enfants. Elles demandent juste à jouer. Elles demandent juste à jouer. Elles ne demandent pas l'argent. Elles demandent juste à se faire plaisir. C'est leur passion. Et comme par hasard, c'est le président d'une fédération qui, il est... Monsieur Soiré, c'est quelqu'un d'ambitieux. Hein. Ouais. Franchement, on peut tout lui reprocher sauf le fait d'être un monsieur ambitieux qui veut que les choses avancent. Même en Guinée, c'est difficile de tenir les promesses du football féminin. Vous savez pourquoi? Parce que le football féminin ne rapporte pas d'argent. C'est exactement ça. Et sachez qu'en Afrique et dans le monde, je le dis souvent, on trouve que je suis difficile. Le football féminin ne rapporte pas l'argent. C'est un gouffre à sous. C'est-à-dire qu'on met de l'argent, l'argent ne revient pas. Mais est-ce que les hommes y rapportent aussi, Richard? Franchement, non, mais justement, les hommes ne rapportent pas. Ouais. Mais vous savez comment
on comble l'argent des hommes, c'est dans les transferts. Ouais. Parce que quand par exemple, le football masculin ne donne pas l'argent, et qu'un joueur est transféré, ça rapporte de l'argent à la fédération. Aujourd'hui, le football féminin, c'est presque du bénévolat. Ouais. Et même ici en France, moi j'ai essayé, la dernière fois j'étais en Bretagne, j'ai demandé à savoir comment est-ce que ces filles réussissent à combler leur fin du mois. On m'a dit, voilà, elles, par exemple, ici, le championnat du D2, ce qu'on fait, c'est que ce sont des filles qui travaillent peut-être à la mairie, ouais, qui travaillent dans... Et elles ont peut-être 1500 euros par mois. Et voilà, elles jouent pour le club de la ville, de la mairie. Et voilà comment elles sont rémunérées. C'est-à-dire quoi, le quotidien est encore très dur. Et on me dit que, par exemple, la région, quand par exemple un club prend une fille, la région préfinance. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, tu as pris une fille qui joue au football féminin. Ouais. Voilà, la région de Bretagne va te faire une compensation dans ce sens que on va amoindrir tes impôts. Voilà comment. Donc, Myriam, par exemple, vous, dans votre cas, vous êtes encore très loin du salaire de Neymar. Hein. Non, du tout. je peux parler de moi parce que, bon, moi, j'ai qu'un fixe. Oui. Voilà. Et on est obligé de travailler à côté. À côté, voilà. Pour compenser parce que ça ne suffit pas. Voilà. Moi, je vis chez mes parents, donc ça va. Mais celle qui vit dans des appartements seule, c'est compliqué de finir le mois parce que, voilà, elles ne gagnent pas grand-chose déjà avec leur club. Mmh. Et elles sont obligées de travailler à côté parce que ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que, voilà, les salaires qu'on nous fait miroiter des fois de certaines Jeux de l'Olympique lyonnais, c'est juste une partie visible de l'iceberg. On va parler de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, elles ont un président quand même qui met beaucoup, beaucoup les moyens. Ouais. Donc forcément, elles touchent très, très bien. Et même, il y a le sponsor à côté aussi. Voilà. Donc forcément, elles sont très, très bien rémunérées. Mmh. Mais comme des clubs comme, je dirais... même l'Olympique de Marseille. Ils sont en distance. Oui. Elles ne touchent pas grand-chose. Oui, exactement. Hein. Bon, là, elles viennent de remonter en D1. Voilà. Mais c'est très compliqué, quoi. Très compliqué. Elles ne vont pas gagner des millions et des millions. Non, ça sera un fixe, ça sera un travail à côté, ça sera... Voilà. Tu t'imagines, donc, aujourd'hui, les filles guinéennes, elles se plaignent. C'est parce que le président ne voit pas où est-ce que... ne comprend... Déjà, pour se qualifier pour la CAN, pour elles, c'est très compliqué. Ah oui. Ah, c'est parce que quand tu te qualifies pour la CAN, au moins, la fédération reçoit des petits subsides. Et même au Cameroun, où elles sont quasiment tout le temps qualifiées, elles ne s'en sortent pas. Elles ne rapportent rien à la fédération. Du coup, alors, quelles peuvent être les solutions, les axes d'amélioration? Ça va être quoi? Moi, je pense... Ça va venir quoi? Au niveau fédéral ou au niveau de la CAF? Non, mais au niveau fédéral, il faudrait que les entreprises, il faudrait qu'on... Les sponsors, les subventions, qu'on subventionne le football féminin. Ah, en oui. ce sens que les joueuses... Qui viennent, qu'elles savent que derrière, elles ont quand même un petit truc. Exactement, et l'État doit s'impliquer dans la promotion du football féminin. Par exemple, je pense en Afrique, on peut par exemple décider que, bon, voilà, on donne de l'argent, on fait une petite subvention, et chaque mois, on reverse au club qui reverse aux filles. Ce n'est que comme ça que les filles vont peut-être se dire on a un petit truc, ouais. Parce qu'aujourd'hui même aller aux entraînements pour les filles c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué, je dis même aller aux entraînements, se dire on va aux entraînements, quand vous revenez même l'eau, le pain et tout ça elles n'ont pas. Ouais. Donc forcément il y a un découragement qui suit et ça fait en sorte que les filles se disent on ne gagne rien, franchement je préfère aller continuer mes études. Et mais même au niveau des études, c'est compliqué aussi, parce que pour se déplacer et pour allier le sport et l'école à côté, c'est très compliqué. Et ça, c'est pour ça qu'en France, ce qui est bien, c'est qu'il y a des pôles, c'est qu'il y a des centres de formation, alors qu'en Afrique, il n'y en a pas du tout. Il n'y a rien de structure. Celles qui viennent de très très loin pour aller dans un club qui est un minimum un club, c'est compliqué de se déplacer. Oui. Il faut payer de leur propre poche et souvent elles peuvent pas le quoi. J'ai questionné un peu, il y a une jeune là, Aouna, elle joue à Montpellier, elle est dans l'équipe nationale. Je lui ai demandé si c'est pas indiscret ton salaire c'est quoi. Elle me dit, je préfère pas te dire parce que si je te dis quel est mon salaire, je vais pleurer. Je suis en France, mais c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Bien sûr. Hein. Donc, elles,
comme me dit, il y a des petits sponsors à côté qui te comblent les fins du mois. Mais vraiment, le football féminin aujourd'hui ne rapporte pas d'argent. Ouais. Même au niveau de la FIFA, si vous regardez, aujourd'hui, la FIFA est obligée, dans son cahier de charges, d'introduire le football féminin pour les sponsors. Parce que personne ne viendra. Regardez les sponsors de la FIFA pour la Coupe du Monde masculine. C'est presque les mêmes. Les mêmes, sont... oui. C'est des packages, en fait. Oui, c'est des packages. Parce qu'ils sont obligés, de le faire. Parce que si on se dit, bon, OK, on va prendre le football masculin et le football féminin en même temps, le football féminin n'aura jamais de sponsor. On va aussi parler juste du rôle des médias un petit peu. Myriam, vous l'avez vu peut-être tout au long de votre carrière. Est-ce qu'aussi les médias, ils n'ont pas un rôle à jouer? Je parle par exemple dans notre cas, avec cette émission, aussi en termes de médiatisation, mettre en avant le football féminin. Est-ce que c'est assez fait comparé au football masculin? Ben, je parlerai pour l'Afrique. C'est pas, à mon avis, c'est pas assez médiatisé. Par exemple, quand l'Algérie... Vous allez en sélection algérienne et que l'Algérie a un match, que ce soit à domicile ou va jouer par exemple une CAN ou des éliminatoires, est-ce qu'on en parle dans les médias? Est-ce que vous avez autant de monde qui vient au centre d'entraînement, etc.? Ça, on parle dans les médias, dans la télévision, mais le problème, c'est que dans les stades, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Et c'est ce qui s'est passé, quand on a fait les éliminatoires, c'est qu'il n'y avait pas grand monde, quoi. Pourtant, c'est passé sur tous les réseaux sociaux, sur la télé, mais il n'y a pas grand monde dans les stades. Par contre, quand j'ai pu aller en Éthiopie ou au Ghana ou dans d'autres pays, mais là on voit quand même un engouement à travers le football féminin. Et je me suis dit, pourquoi ça se passe pas en Algérie? Donc ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a des pays où il y a un potentiel public. Exactement. Non mais j'embraye un peu parce que chez nous au Cameroun, après la CAN 2016, c'était du jamais vu après la Coupe du Monde. Quand des filles sont parties en Coupe du Monde, elles sont revenues. Mais je peux te rassurer que le premier match des filles, après, aujourd'hui, ça fait stade plein. Ah oui. Ça fait stade plein. Mais maintenant, le problème, tu parles des médias. Je veux un peu faire du syndicalisme. Mais est-ce que vous savez que il y a la Coupe du Monde, le Cameroun est qualifié. Il y a près de 40 journalistes à qui on a refusé le visa pour venir couvrir la Coupe du Monde. Ça, c'est pas normal. C'est bon, oui. Mais voilà, c'est des choses. La FIFA ferme les yeux. Ouais. Quand tu vas parler de ça, La FIFA ne se pose pas les questions. Aujourd'hui, il y a un match aujourd'hui à Montpellier. C'est un peu les journalistes camerounais de la diaspora qui vont pouvoir couvrir ça. Voilà, c'est les journalistes camerounais de la diaspora qui vont couvrir. Et même ceux qui ont le temps. Oui. Ceux qui ont le temps d'aller faire. Moi-même, je devais être à Montpellier. Vous avez préféré Stade d'Afrique. J'ai préféré Stade d'Afrique. Mais c'est compte tenu de mon agenda. Ouais. Demain, j'ai d'autres rendez-vous. Je ne peux pas aller et revenir pour la cause. Tu comprends? C'est pour dire qu'aujourd'hui, même au niveau de la FIFA, ils ne s'inquiètent pas du tout qu'il n'y ait pas de couverture médiatique des journalistes africains. Même les journalistes nigériens ont eu de la peine à avoir des visas pour venir couvrir les compétitions de leur équipe. Je ne parle pas des journalistes sud-africains, parce que eux, ils ont quand même... C'est à part. Mais je veux dire qu'au niveau médiatique, comment on peut médiatiser un événement comme la Coupe du Monde si on ferme la porte aux journalistes? Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est autant de choses. Moi, je connais une fille qui a demandé l'accréditation. Elle a un site internet qui parle du football sportauféminin.net, mais elle, on lui a refusé le visa. Pourtant, c'est quelqu'un qui... Oui. C'est une fille qui est là. Moi, j'ai même vu son nom pendant le congrès, mais elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si déjà même la FIFA pense que la compétition majeure qui est la Coupe du Monde féminine ne doit pas avoir de journaliste. Ouais. Donc, ça veut dire que, bon, on va résumer un petit peu. Il y a du boulot au niveau fédéral, au niveau de la confédération, au niveau médiatique aussi, au niveau étatique aussi, pour aider un petit peu tout ça. Ouais. En somme, c'est un vaste chantier et c'est peut-être pas demain la veille qu'on verra des équipes africaines briller, mais en tout cas, on espère que ça va s'améliorer avec une formation locale, sans doute des championnats qui vont être mis en place et aussi des joueuses comme Myriam qui vont venir renforcer les équipes, parce que je pense aussi peut-être que c'est important d'avoir... C'est important. Justement, la fédération algérienne, comme je l'ai dit, j'ai proposé au président de prendre une joueuse
qui est de porte-étendard et que la fédération fasse la promotion du football féminin avec elle. Elle est là. Exactement. Après, y a une dame, une ancienne internationale algérienne, Radia Fertoul, qui, elle, dans le bureau fédéral, c'est la seule fille déjà. Et elle, vraiment, c'était notre coach à la CAN au Ghana. Voilà, c'était notre coach. Et du coup, cette femme-là, elle donne vraiment beaucoup au football féminin et surtout en Algérie. Mmh. Elle aimerait que ça soit, que ça explose, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ferment pour que ça avance pas. Et ça c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est pour dire que même le premier handicap du foot, du sport féminin, c'est les hommes. Ah oui. Moi, je vous disais, moi j'ai eu une petite anecdote. J'ai pris le taxi l'autre jour. J'ai dit au monsieur, je m'en vais au stade au Parc des Princes. Et c'était un maghrébin. Je lui dis, je vais voir. Il dit, vous allez faire quoi? Je vous ai vu avec un badge, vous allez faire quoi? Je lui dis, non, je vais couvrir le premier match de l'équipe de France. Il dit, les femmes jouent au football? Mais non, ça, c'est des conneries. Les femmes ne jouent pas au football. La femme, c'est à la cuisine et au lit. J'étais choqué. C'est préjugé, ça qu'on en parle partout. Choqué. Hein, j'étais choqué. Il m'a dit carrément, la femme, c'est à la cuisine et au lit. Je lui dis, non. Mais comment vous dites ça? Il dit, mais mon ami, mais je te le dis. J'étais choqué. Donc si déjà à ce niveau les gens pensent ça, ça va être très compliqué. Est-ce que vous-même vous êtes encore confronté à ce genre de commentaires, des fois notamment c'est que sur les réseaux sociaux, les gens maintenant la parole se libère. Est-ce qu'on a, vous avez encore ce genre de commentaires? Oui, il y a toujours ça. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois souvent ces genres de commentaires, de préjugés sur le fait de la vaisselle, elles sont bonnes qu'à ça. Voilà. Enfin, c'est pour ça que maintenant il faut changer ces préjugés. Il faut que le football féminin évolue, quoi. Et dans le bon sens. Et comme je peux rebondir sur une parole qu'elle a dit, Gaëtan Tinet, l'internationale française, elle a dit également que le football, de toute façon féminin, ça ne rapporte rien. Donc forcément, on n'a pas besoin de mettre les moyens parce que ça ne rapporte rien. Et c'est comme ça dans les clubs aussi. Hein. Voilà. Moi qui viens du TFC, le président ne met aucun moyen chez les féminines parce que ça ne lui apporte pas grand-chose. Et il l'a dit de lui-même. Et c'est grave quand même. Mais justement, il dit, c'est votre chance pour aller jouer à Lyon. Et c'est le langage qu'on leur tient. Oui. C'est-à-dire que prenez ce qu'on vous donne comme un cadeau. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est rien, mais c'est déjà un cadeau. On te donne rien, mais ce qu'on te donne, c'est un cadeau. Mais vous voyez, c'est déjà le problème, c'est ça. Les fédérations sont fiches du football féminin. Ils font de la politique quand ils viennent devant les médias. Ils disent, non, le football féminin, c'est un... par exemple, l'UNIFAC. L'UNIFAC avait fait l'Union des fédérations d'Afrique centrale. Elle avait dit qu'on devait organiser le football féminin. On devait faire un championnat jusqu'aujourd'hui. On devait faire UNIFAC féminin. Tout à fait. Mais je te rassure que rien ça n'a jamais été fait. Ouais. Ça n'a jamais été fait. C'est une honte. Comme moi je dis, je le dis toujours, n'allez pas faire des symposiums du football féminin. Déjà, il n'y a pas de... Et la plupart du temps, ce sont des femmes qu'on avait mis là pour faire la promotion. Mais j'ai comme l'impression que c'est les mêmes femmes qui sont à... Elles sont venues juste faire 10 jours. Elles sont juste là 10 pour jours. Elles sont venues faire une semaine ou 3 semaines ou 2 ou 3 jours. Pour être payées. Pour être payées. Et à ne sortir aucune résolution. C'est une grosse honte. Ou alors ce sont des résolutions qui ne sont pas appliquées aussi. Ça arrive. Oui, on a beaucoup aussi. Mansour, j'ai parcouru le site de la CAF. Il y a les résolutions du football masculin. Oui. Et la résolution du football féminin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que des paroles, en fait. On a organisé un symposium au Maroc. C'était à Casablanca, je crois. C'est à Casablanca, on a fait un symposium du football féminin. Et il n'y a jamais eu de résolution. Si quelqu'un a une résolution, je le mets au défi. Qui me l'envoie. Qu'on regarde. En tout cas, pour envoyer l'adresse, c'est très simple, c'est Sadafrique sur les réseaux sociaux, www.sadafrique.com. Je vous avais promis Neymar, je vous ai menti, il n'y a pas une Neymar. Aujourd'hui, c'était place 100% réservée au football féminin avec cette émission spéciale pour parler des mots du football féminin. Pourquoi est-ce que le football féminin doit encore progresser? Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? Quels sont ces boulets qui le retiennent? En tout cas, on espère avoir contribué à notre modeste partie à essayer peut-être d'amener des axes d'amélioration, des idées, des perspectives au football féminin pour que des joueuses comme Myriam, les futures Myriam Bel-Nazar, puissent
travailler dans de meilleures conditions parce que certes c'est une passion mais ceci est un travail qui doit rapporter. Ah oui. Merci en tout cas pour votre participation. Merci. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et nous on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.